Cette semaine, nous avons décidé de poser nos caméras sous le soleil de Floride. Nous sommes au point le plus au sud des États-Unis, si l'on exclut Hawaï. Quand on regarde la mer, pas de bout de terre à l'horizon. Nous ne sommes pourtant qu'à 90 miles de Cuba. Pas besoin d'aller là-bas pour trouver des Cubains. Ils ont fui le régime de Fidel Castro en 1959 et ils sont aujourd'hui 800 000 à vivre en Floride. On va profiter de notre présence à Key West pour aller visiter la demeure du plus cubain de tous les Américains, Ernest Hemingway. Bonjour Dave. Bonjour Valérie, comment ça va? Fine and you? Très bien, merci. On est très content de vous recevoir ici dans la maison d'Ernest Hemingway à Key West. Figurez-vous que juste avant d'habiter ici, il vivait à Paris. Eh bien, on est ravis aussi. Allez, je vous fais visiter. Ici, on est dans le salon. Il a acheté cette maison en 1931 et n'y a vécu que 9 ans. Il y a pourtant écrit 70% de son œuvre durant cette courte période. Pourquoi est-ce qu'il avait décidé de vivre ici? Eh bien, il vivait à Paris et cette année-là, l'hiver avait été particulièrement rude. Son ami John Dos Passos lui a dit « Et tu devrais t'installer à Key West pour te réchauffer la carcasse et essayer la pêche. » Alors, il est venu à Key West, il est tombé amoureux de la pêche et a écrit la première version de l'Adieu aux armes en 2 semaines. En fait, il avait une facilité d'écriture, il attrapait pas mal de poissons, alors il s'est dit « C'est ici que je veux vivre et écrire. » Et il va tomber amoureux de Cuba. Il aimait la culture espagnole. Souvenez-vous, quand il était en France, il est allé à Pamplune pour les ferias. Ici, à Key West, il a découvert un héritage cubain. Puis il a fini par aller vivre à Cuba pendant 19 ans. Ses 14 romans ont donné lieu à 15 films. Ici, on est dans la chambre parentale. Et voici l'un de nos 60 chats. Elle s'appelle Betty Grable. Une actrice très connue. Hemingway adorait les chats. Il en avait plus d'une cinquantaine. Il adorait les chats. Il leur donnait le nom de ses amis connus. Alors aujourd'hui, on perpétue la tradition. Les chats de la maison portent des noms de stars des années 30. On arrive dans son bureau où il a écrit 70% de son œuvre. Je suis si content de vous faire découvrir cet endroit. Vous avez les clés, Dave. Oui, j'ai les clés, Valérie. Il y a quelque chose d'assez drôle à propos de cette machine à écrire. Hemingway a déclaré que la machine à écrire portative royale était la pire machine à écrire au monde, parce qu'elle faisait tellement de fautes d'orthographe. Quels sont les livres qu'il a écrits ici, assis à cette chaise? Il a écrit l'Adieu aux armes, Les neiges du Kilimandjaro, Le port de l'angoisse, qui est un des plus connus écrits à Key West. Mais l'un de mes préférés est Paris est une fête, pur roman parisien. Il n'a été publié que 3 ans après sa mort. Finalement, Hemingway a vécu presque 20 ans à Cuba. Il va quitter la Havane en 1959 avec la révolution cubaine. Il mourra 2 ans plus tard, ici aux États-Unis. Quand il a quitté Cuba, il est allé à Ketchum, dans l'Idaho. La Sun Valley, c'est là qu'on skie. Mais en 1961, après avoir reçu des électrochocs, son cerveau a littéralement grillé. Il ne pouvait plus rien écrire. Alors il s'asseyait des heures en face d'une feuille blanche et aucun mot ne lui venait à l'esprit. Donc quand il a perdu cette capacité à écrire, il a en quelque sorte perdu l'essence même d'Hemingway. Il a perdu son premier amour. Son amour pour l'écriture. Et aujourd'hui, si vous pensez à n'importe quelle photo d'Hemingway, on y voit tout de suite un homme d'1m80, 90 kg, en train de poser fièrement avec un marlin de 200 kg. Et ça, c'est le Hemingway que le monde gardera toujours en mémoire. Un Américain à Cuba, et beaucoup de Cubains en Amérique, surtout à Miami, devenue la plus grande ville cubaine après la Havane. Une diaspora qui a enrichi la mégapole économiquement et culturellement. L'architecte René González est né à Cuba, mais il a grandi en Floride. Ses constructions, qu'il s'agisse de résidences privées, de musées ou de tours qui s'inscrivent dans la skyline, jouent la transparence, l'ouverture sur l'extérieur pour profiter du soleil et de la lumière si particulière à Miami.
L'héritage architectural de Miami, c'est l'art déco. Comment est-ce que votre travail s'inscrit dans ce patrimoine ? Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de capter l'essence d'un lieu, et en particulier ici, à Miami, avec toutes les formes d'art déco dont on dispose. Il y a cet aspect dynamique et linéaire dans ce style qui fait facilement écho à mon travail. Par exemple, dans ce bâtiment art déco, juste à côté de celui qu'on vient de finir, vous pouvez remarquer une horizontalité qu'on retrouve aussi dans mon bâtiment. L'idée n'est pas de copier ni d'imiter un style, mais plutôt de comprendre et de cerner ses atouts et de les intégrer à de nouveaux projets. Alors René, vous, votre signature, on le voit bien, c'est la transparence. J'imagine que c'est pour profiter de l'environnement. Ici, c'est déjà un peu les Caraïbes. Oui, c'est vrai. La transparence est très importante dans mon travail. Ça apporte beaucoup de fluidité aux espaces de vie et permet de vivre des expériences riches et marquantes aux gens qui s'y trouvent. La Havane aussi a été une capitale de l'art déco. La ville, elle a été figée pendant plus d'un demi-siècle. Est-ce que La Havane et Miami auraient pu se ressembler, à votre avis, s'il n'y avait pas eu la révolution cubaine ? Beaucoup d'entre nous, immigrés cubains des années 60, avons d'une certaine manière construit cette ville. Donc oui, je pense que l'architecture de La Havane aujourd'hui ressemblerait pas mal à ce qu'on peut voir à Miami. Je pense cependant qu'il y a une différence fondamentale entre les deux. La Havane a une réelle histoire d'un point de vue architectural, ce qui n'est pas le cas de Miami. Les Cubains de Miami auront un rôle à jouer dans la Havane de demain ? Bien entendu. Comme je vous le disais, nous aimons notre pays. Nous sommes attachés à notre culture. Alors oui, je pense que tout Cubain à Miami vous dirait qu'il adorerait participer au redéveloppement de Cuba. Ricardo Pau-Llosa, lui aussi, est arrivé très jeune aux États-Unis. Il n'avait que 6 ans. Dans son Amérique à lui, il y a toujours un air de Cuba. Sa plume inlassablement nous parle de son île natale. Et puis les murs de sa maison ont les couleurs de la Havane. Ricardo, vous êtes un poète, vous avez été nommé plusieurs fois au prix Pulitzer, c'est pas rien. Qu'est-ce qu'il raconte, vos poèmes ? Est-ce qu'il parle de Cuba ? Oui, pour certains. Également dans mon livre, sorti en 1993. C'était la première fois que j'écrivais sur Cuba de manière aussi poussée, sur ce que ce pays représentait et représente encore pour moi. Est-ce que ça reste une blessure, l'exil, même quand on a quitté sa terre natale très jeune, comme c'est votre cas ? Oui, bien sûr. Et surtout en tant qu'artiste, ou si vous êtes un écrivain, un peintre, un musicien, dans ces cas-là, vous êtes en lien avec non pas juste un lieu, mais avec ce qu'il y a d'immortel là-bas. J'aime vivre aux États-Unis et je voyage partout dans le monde, mais un jour, j'aimerais visiter un Cuba libre. Qu'est-ce que vous espérez de l'ouverture ? J'ai très peu d'attentes en termes de liberté pour les Cubains. Le gouvernement cubain est une dictature. Et les dictatures ne changent pas. Elles ne se disent pas, tiens, il est temps de changer. Non. Ricardo est un grand collectionneur d'art. Au début, il n'achetait que des œuvres cubaines. Il a fini par élargir son horizon. Mais son regard reste tourné vers l'Amérique latine. Ça, c'est étrange. On dirait qu'il y a une porte découpée ou une fenêtre. Oui, effectivement. C'est une porte et une fenêtre, puisque la matière est une toile de tente qu'on a étirée. Et dessus, on voit un crâne de mouton. C'est un élément très important, souvent utilisé dans les rituels afro-cubains. Il y a beaucoup d'artistes ici qui sont aujourd'hui exposés dans les musées. Alors voyons voir. Olga de Amaral, de Colombie. Cet artiste-là est devenu très connu. Il expose dans les musées. Oui, José Bedia est très connu. Il a quitté Cuba dans les années 90, quand beaucoup d'artistes ont obtenu l'autorisation de partir. Il est très connu pour la manière dont il combine l'esthétique contemporaine et la tradition tribale.
Et lui, c'est Juan José Molina, de Colombie. Ça, c'est un peu torturé, un peu tourmenté. Hein? Alors oui, celui-là est un peu menaçant. C'est une œuvre d'Alejandro Mendoza, un artiste cubain, et c'est un crucifix, un peu étrange, et on dirait qu'il va nous attaquer. Quelle est pour vous l'influence des exilés cubains qui ont fui le régime, comme vous, en 1959, sur la scène artistique de Miami ? Leur exil, et en particulier leur expérience cubaine, a introduit une dimension épique dans une Amérique qui n'est plus habituée à cela. C'est ça que Miami représente pour moi. Et c'est pour ça que j'habite ici. Ici, vous vous trouvez dans une arche de Noé qui transporte l'art et la culture d'Amérique latine. Et c'est ce que j'essaye de préserver. C'est le meilleur de notre tradition qui est souvent mis de côté ou oublié. La tradition du dimanche chez Ricardo, c'est les amis. Cubains, bien sûr. Et on refait le monde autour d'un bon rhum dans les volutes de cigares. Alors vous, Carlos, vous êtes photographe et vous photographiez tous ces exilés cubains, des artistes qui sont venus vivre ici aux États-Unis. Oui, c'est ça. J'ai suivi ce groupe d'artistes cubains fantastiques qui a quitté l'île pour trouver la liberté. Je me sers de leurs œuvres comme d'un décor. C'est une manière de les faire connaître aux États-Unis et dans le reste du monde. Qu'est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous attendez de l'ouverture? Je suis heureux de ce qui arrive. Je sais que ça va prendre du temps avant que ça n'aboutisse, mais on a besoin de commencer quelque part, et ça, c'est un début. Serré comme un café cubain, Little Havana. C'est du concentré de Cuba en plein cœur de Miami. Ici, on parle espagnol, on écoute de la salsa, du mambo, on roule les cigares à la main, on boit des mojitos, on joue au domino et on déteste cordialement Che Guevara et Fidel Castro, dont on a fui le régime. Tiempo Libre est l'un des groupes les plus ovationnés de la scène musicale américano-cubaine. Leur dernier album, intitulé Panamericano, traduit l'esprit multiculturel de Miami, où ils se sentent chez eux. Parlez-nous de votre parcours. Vous avez fait le conservatoire à La Havane, c'est une école très exigeante. Vous avez vécu l'ère Castro. Comment a débuté votre carrière? Eh bien, le groupe a démarré à Miami en 2001. On a tous été dans la même école à Cuba, l'École nationale d'art. On a étudié pendant 15 ans la musique classique, Mozart, Chopin et bien d'autres. Mais notre groupe s'est formé ici en 2001. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. On voyage partout dans le monde pour partager notre mélange de musique classique avec des rythmes cubains. Pourquoi est-ce que vous avez quitté Cuba? Pourquoi? Voyons voir. Rien à manger, pas de boulot, pas d'argent, aucun rêve possible, pas d'espoir, rien. Les gens vous disent tout le temps, l'Amérique n'est pas un bon pays. Mais ce n'est pas vrai. C'est le seul pays qui accueille les Cubains. Si j'essaie d'aller en France, aucune chance. Et comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Le plus souvent, quand les Cubains quittent l'île, ils se retrouvent à Miami parce que c'est comme une deuxième Havane. Je vous ai entendu dire que votre dernier album est plus cosmopolite que les précédents. Ça fait de vous de vrais Américains. L'Amérique, c'est votre patrie. Oui, bien sûr. Lui est citoyen américain, lui aussi, on est américain, cubain-américain. Mais vous aimeriez retourner à Cuba? On aimerait y aller en concert, mais en ce moment, mon pays, c'est ici. Je ne sais pas ce qui va se passer entre Cuba et les États-Unis. C'est trop tôt pour le dire. Nommé trois fois aux Grammy Awards. La prochaine fois, c'est la bonne? Est-ce que c'est votre rêve de rafler un prix? Oui, on espère. Mais ce sera pour un autre album, parce que pour celui-ci, ça ne va pas le faire.
L'une de vos dernières aventures, c'est une comédie musicale et il est encore question de Cuba. Eh bien, imaginez que vous quittez votre pays, vous quittez votre terre, mais votre culture reste avec vous toute votre vie. On est en train de monter une pièce de théâtre qui s'appelle Cuba Libre. On y parle de la culture, des différentes choses qui se sont passées à Cuba. Je pense que c'est très intéressant. Et j'aimerais beaucoup que la pièce se joue à Broadway. Lui aussi. Gracias, chicos. Ainsi s'achève ce Miami des Arts consacré à l'influence cubaine. On va se quitter sur la piste et en musique, bien sûr, à très vite. Que mis sueños te comban.